Ben salut, je m'appelle Loubali et puis je fais à manger. Ouais, alors je viens sur les foires bio parce que j'essaie de faire une nourriture cohérente avec moi déjà. Donc du coup j'utilise des produits frais, des produits locaux, des produits de saison. Je travaille avec en bio et je fais tout à la main. Voilà, tout est fait maison. Donc voilà, je me suis dit que les foires bio c'était un bon des bons lieux aussi pour partager cette cuisine. Depuis quand est-ce que tu as ta caravane? Ouais, ça va faire pas 3, 5 ans. Je sais pas trop au niveau des temps. Ouais, voilà. Et je bouge voilà sur tout ce qui est les événements un peu alternatifs. J'aime bien tout ce qui est engagé, tout ce qui est artistique, tout ce qui touche aussi au développement personnel, au bien-être. Je pense que l'alimentation est une base de bien-être et qu'elle touche en fait à tellement d'univers, que ce soit comment dire, le rapport à soi, le rapport aux autres, aux aliments. Donc après, si on extrapole à l'agriculture, à la société entière, on peut faire vraiment un lien avec beaucoup de choses sur l'alimentation. Et puis c'est quand même on mange tous les jours, c'est prendre soin de soi ici. Voilà. La foire Baudrillac, ça fait un bout parce qu'en fait, avant j'étais artisane, donc je créais des vêtements en tricot, crochet, je faisais tout à la main. Et à l'époque, je participais en tant qu'artisane. Et puis voilà, la vie a fait que je fais de la restauration maintenant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut venir déguster? Ben, il y a il y a de la soupe, des tartes, il y a un petit plat. Aujourd'hui, c'est du riz biryani. Il y a des bons gâteaux, il y a du chai. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire les liens entre tous les univers et que finalement, je me rends compte de plus en plus que l'alimentation, on trouve ça avec l'alimentation en fait. Parce que c'est un rapport très intime qu'on peut avoir avec son corps, avec ses relations, la famille. Parce qu'en fait, à la base, tout ce qui est transmis, c'est quand même la famille qui transmet beaucoup de choses à travers la nourriture. Et voilà, et après, comme je le disais, on peut vraiment faire des liens avec comment la société aujourd'hui fonctionne, sur d'où viennent les aliments. C'est quand même après, hein, c'est un gros sujet, hein, je ne vais pas non plus m'étaler dessus, mais comment ils arrivent à nous, ouais, c'est pas tip-top, hein, autant sur le végétal que sur l'animal. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer, quoi. Donc c'est vrai que l'alimentation, ça permet de se faire du bien et en même temps d'aborder tout comment on vit en fait, tout le global de notre façon de vivre aujourd'hui. Voilà. Vous êtes à deux sur la caravane? Alors là, Valérie est là, elle est en coup de main ce week-end. Sinon, oui, on est à deux. La caravane, il y a Caroline aussi qui travaille avec. On a mutualisé l'outil. Et donc chacune a ses dates. Et puis après, ça nous arrive de bosser aussi toutes les deux quand c'est des gros événements.